L'info trafiquée de Yann Lambiel. Un dirigeant de Spotify qualifie Harry et Meghan d'arnaqueurs, Stéphane Bern. Oh oui, bonjour Lausanne, c'est Bern. Oh oui, figurez-vous que les deux tourtereaux étaient rétribués 20 millions de dollars pour quelques podcasts. Seulement voilà, faire des podcasts, ça n'est pas aussi facile que de saluer de la main ou de pleurnicher sur Frangin et Papounet. Comme ils avaient déjà donné une exclusivité pour les méchants Stéphane Milial, ils devaient créer des podcasts avec un autre, Valérie, un autre... Contenu ? Exactement. Ce qui veut dire trouver Des idées. Vous êtes formidable, Valérie. Il leur fallait trouver des idées. Et c'est là que le problème s'est posé. Car pour avoir des idées, il faut du talent. Du talent, yes. Et le talent ne s'achète pas ni à Windsor, ni à Hollywood. Les seules idées que le prince Harry a proposées pour ses podcasts étaient « Pourquoi les Américains n'acceptent pas les livres sterling ?» et « Comment stopper mon début de calvitie ?» Ça fait cher l'idée nulle, mais... Et nous retrouvons le 19-30 de chez Ypreva. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce 19-30 en direct. Désolé, mais j'ai le rhume des foins. Et avec cette chat... non, c'est bon, c'est l'enfer pour le... Voici les titres. Joe Biden aurait traité le président chinois Xi Jinping de dictateur, alors que pas du tout. Des activistes du climat ont bloqué un pont à Sion. C'est la première fois que Christian Constantin doit prendre son jet pour aller du stade de Tourbillon à la gare. Le feu qui a ravagé Europa Park est sans doute dû à un problème technique. Un problème technique, c'est rassurant dans un endroit où il n'y a que des attractions qui vont à 100 à l'heure sur des petits rails. Un sous-marin privé qui visitait le Titanic est porté disparu. Les sauveteurs cherchent une porte avec une femme dessus et un homme dans l'eau. En France, 23 vaches ont été foudroyées dans la nuit de dimanche à lundi. La tragédie a été surnommée la nuit Claude François. Le prince William a 41 ans aujourd'hui. Si la longévité de la famille se confirme, il va encore devoir attendre au moins 25 ans avant de monter sur le trône. Jean-Pierre Madère fête ses 68 ans ce soir au Macumba. Oui. Valérie à la ref. Un Américain aurait perdu 27 kilos en mangeant matin, midi et soir chez McDonald's. Forcément, avec un concert du foie, de l'estomac, du côlon et des intestins, tu maigris. Le film Barbie a engendré une pénurie de peintures roses mondiales. La Panthère Rose, Peppa Pink, ainsi que M et Elton John comptent porter plainte. Le théâtre de Vidy a été envahi par des militants pour y loger des sans-abri. Quand tu dors dehors, est-ce que tu as vraiment envie de voir une pièce à Vidy? Voilà, c'est la fin de ce jour. Oh, je vais aller me coucher, moi. Madame Auger, bonjour. Philippe Lebas, ancien conseiller d'État du canton de Vaud, conseiller du CIO et membre du conseil synodal de l'église protestante bourgeoise et surtout fan de Mylène Farmé. Nonobstant, il était top ce conseil. Ah bah je vous imaginais pas fan de Mylène Farmé, monsieur Lebas. Alors dites-en près vous, je connais toutes les chansons, nonobstant. Tout est chaos, nonobstant. À côté, tous mes idéaux, des mots abîmés. Par voie de conséquence, je cherche une âme qui pourra m'aider. Je fais les chorégraphies, hein, voyez pas. Je suis d'une génération de politiciens désenchantés, nonobstant. Désenchanté, mais c'était génial ce moment. À un moment donné, elle a spontanément pleuré au piano. c'était totalement spontané. Des fois, elle chantait vraiment et elle dansait avec, en bougeant les bras tout le temps. C'était à son âge, j'avais l'impression d'être au Parlement, hein, elle brassait de l'air comme ça. À son âge, ça le faisait. J'ai même, par votre conséquence, pu aller la voir dans la loge après le concert. Ah bah c'est génial ça, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Alors je ne me souviens pas, par votre conséquence, c'est une des
personne du staff qui m'a dit qu'elle m'avait repéré dans le public et qu'elle m'a fait, qu'elle m'invitait dans la loge. Elle m'a fait boire une coupette de champagne qui avait un goût bizarre. Et après, le seul souvenir que j'ai, c'est de m'être réveillé en caleçon et chaussettes sur le trottoir devant le stade de la Praille à 4h du matin avec la tête qui tournait.